Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. On va voir les multiples et sous-multiples des unités. Alors, qu'est-ce que les multiples et sous-multiples des unités? Ce sont les préfixes à placer devant les noms d'une unité. Donc là, j'ai les facteurs multiplicatifs 10 à la puissance 24, c'est iota. Et le symbole à placer devant celui de l'unité, c'est y majuscule. Donc là, je commence par les facteurs multiplicatifs qui sont colossaux. Donc, le préfixe à placer et le symbole à placer ici, c'est en majuscule parce que les facteurs multiplicatifs ici sont grands. Donc, iota, donc par exemple, si vous avez trouvé, vous faites des calculs, vous avez trouvé par exemple 3 exposant 24 mètres. Alors, vous allez écrire le 10 exposant 24 va devenir un iota. Donc, ça veut dire que 3 iota mètre, c'est juste un exemple. Donc après vient 10 à la puissance 21, c'est zeta, z majuscule, le symbole. 10 à la puissance 18, c'est hexa, et c'est e majuscule. 10 à la puissance 15, c'est beta, et c'est p majuscule. 10 à la puissance 12, c'est tera, qui est connu vraiment, c'est t majuscule, qui est connu surtout en informatique, teraoctets, etc. 10 à la puissance 9, c'est giga, donc G majuscule, gigaoctet par exemple. 10 à la puissance 6, c'est méga, M majuscule. Après, là, ces facteurs sont un peu plus petits. Donc, le symbole, ça s'écrit en minuscule. Attention, le symbole, ça s'écrit en minuscule. Et donc, 10 à la puissance 3, c'est le kilo. Le symbole, c'est K. C'est en minuscule. 10 à la puissance 2, c'est hecto. Le symbole, c'est H minuscule. 10, tout court, c'est le DK. Et le symbole, c'est DA. C'est le seul symbole constitué de deux lettres, DA. 10 à la puissance moins 1, DSI. Le symbole, c'est D minuscule. 10 à la puissance moins 2, c'est centi. Le symbole, c'est C, centimètre, millimètre, décimètre. 10 à la puissance moins 3, c'est milli. M minuscule. 10 à la puissance moins 6, ah ben, attention, milli, c'est en minuscule. On ne peut jamais écrire milli en majuscule. Quelque chose de petit qui s'écrit en majuscule, c'est, ça ne s'écrit pas. Donc, c'est en minuscule. C'est pour cette raison que ça, ce sont tous en minuscule. 10 à la puissance moins 6, le micro, donc, microscopique. Donc là, on va entrer aux facteurs multiplicatifs qui sont infiniment petits. Donc, micro, microscopique, microscope. Donc, le symbole, c'est un mu, alphabet grec, mais ça se prononce micro. C'est pas mu. Par exemple, si je trouve micromètre, je vais pas prononcer mu mètre. Non, il faut prononcer micromètre. Après, 10 à la puissance moins 9, le nano, donc nanotechnologie par exemple. Le symbole, c'est N minuscule. Et surtout, c'est en minuscule. Après, 10 moins 12, c'est le pico. Le symbole, c'est P minuscule. Et après, vient des facteurs qui sont vraiment très intéressants à connaître. Donc, 10 moins 15, c'est femto. Ce sont des noms vraiment très étranges et c'est bien de les connaître. 10 moins 15, c'est femto. C'est F minuscule. 10 moins 18, c'est ato. A minuscule. 10 à la puissance moins 21, c'est zepto. Et c'est Z minuscule. 10 à la
la puissance moins 24, c'est iocto et c'est y minuscule. Et c'est terminé pour les multiples et sous-multiples des unités. Donc juste une petite remarque. Au commencement, j'ai commencé par 10 à la puissance 24 et j'ai fini par 10 à la puissance moins 24. Là, j'ai iota, 10 à la puissance 24 c'est iota, et 10 à la puissance moins 24 c'est octo. Donc c'est à peu près, il y a une petite ressemblance. Merci pour votre attention.